Ah bah ça va, merci, et toi? Tiens, y a un teubé qui va me donner un truc, tiens. Ah ouais, il t'a donné quoi? Je sais pas dire à écrire. Alors attends, je regarde. C'est pour toi. Il a dit qu'il allait chercher un grand trésor, je sais pas trop quoi, qu'il reviendra dans pas longtemps. Ah oui, c'est ce que je suis en train de lire. Alors attends, je lis. Pars en expédition longue durée. Trouver des ressources ultra rares. Je pars à sa recherche. Je ne sais pas quand je reviens. Du coup, tu m'as dit, ça allait quoi comme matériau? Il m'a dit, en attendant, la maison, elle est à toi. Ah bon? Ah bah c'est sympa ça. Du coup, t'allais faire quoi de beau là? Bah là, si t'attendais, je me dis, on va aller voir le général Nishium de la généralité, Fernando, pour entrer en police. Ah ouais, c'est pas bête. Oui, c'est vrai, ça c'est une bonne idée. T'as bien raison. Bon, on va y aller. C'est normal. Lui, c'est le roi des cons, lui. C'est normal, il s'habille toujours comme une grosse merde. Eh, je ne te permets pas, toi aussi, non? Ah bon, bonjour. Est-ce que vous auriez vu Fernando, sur mon pied? On l'a perçu, mon maître. Tout à l'heure, à côté du tribunal, mais ça m'a l'air depuis. Grand trophée, il était tout à l'heure, il est parti. Il était pas resté. J'espère qu'il va bientôt décéder, que je puisse l'empailler d'ailleurs, ce serait cool. Une femme en armure. Il est complètement malade. Dans ce pays. Je crois qu'il est là-bas. Il utilise mon cou. Au bout, là-bas. Putain, j'en ai marre. Fernando, Fernando. Oui, c'est moi. Bon, comment ça va? Ça va, toi, Yogi? Yogi, ramène ton cul. Oh, c'est moi. On voulait te parler du coup, Fernando. Est-ce qu'il t'en a quelques minutes, non? C'est normal, ça, là? Oui, je t'emmène avec moi. Attends, ils sont en police, du coup. Oui, c'est ça. Venez. Bon, c'est mais oui, non, mais oui, c'est possible. Je sais pas pourquoi il s'était mis là. Alors qu'il m'a indiqué qu'il se mettait. Par contre, je vais leur dire de juste s'éloigner légèrement. Allez-y, asseyez-vous, je vous reviens. Tu veux t'asseoir où? Au bureau, hein. Ah ouais, c'est sympa. Voilà. Là, c'est parfait. Ah bah, parfait, là. Je sais pas si t'es autorisé à dépasser 2 minutes, donc je fais vite faire la réunion et après vous pouvez venir ce que vous faites. Ah, je crois que là, c'est la place un peu du chef. Merci, Michou. Oh, il y a un ordinateur et tout. Regarde s'il y a des trucs bien dessus. Oh. Ah, mais c'est Yugi. Tu vas prêcher ton bureau, tiens. Pas très grave s'il y a ça qui dépasse. C'est moi qui me dis assis pour rester toi où tu veux. C'est déjà mieux que en plein milieu, peut-être. On venait te voir, hein, si t'es pour entrer dans la police, carrément. Oui, faut que je passe les examens, mais sinon, logiquement, c'est possible. Ouais, c'est quoi comme examen? Moi, je suis pas lire, je suis pas écrire. Il n'y a rien, il y a pas d'écriture, il y a pas de lecture, il y a rien, c'est de lance, c'est des tirs en fait. Test de tir, test de poursuite. C'est très fort. Hein. Quand on bolasse, très fort avec le. Avec des grenades comme ça, regarde. Hop là. Oh le gros comme con. Ça. Oui, comme toi quand même. Oh, en vainqueur. Putain le connard. On est désolé, je pensais pas qu'elle était des capsules. Ouais, bah fais attention, tu fais ça pendant les tests, fais pas ça maintenant. Ouais. Bon, et sinon, tu l'as endormi. Ouais, il est pas réveillé encore. Bah non. Je vais attendre qu'il se réveille, je vais le montrer avec quoi je suis bon. Ah ouais, c'est très fort. Très fort. Ah ouais, en vainquissant. Arrête. Oh, pardon. Tiens, mon doigt arrête. Arrête. Fais attention. Ouais, en merde, attends. Moi, je suis pas très doué, moi, avec tout ça. Ça va être. Je te dis, ça va être le bordel. Ah, désolé, Fernando! Oh putain! Ouais, mais j'ai pas vu quand il était des campignons! Ah, mais j'ai vu ça! Oh putain, elle a une flèche sous torse, c'est normal! Bah oui, bah, il a fait un test d'aptitude et puis là, il l'a bien passé! Hein. Ah, d'accord, le test il est. Ouais, je suis bon avec ça aussi, regarde! Oh putain! Oh! Tu vois, je te montre! Ah, mais c'est tout dans la gueule! Nickel! Ah ouais! Oh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, je suis bon avec ça, regarde! Tu veux essayer de mettre en pleine tête? Je vais faire en sorte que Kira soit pas du tout douée en fait. Et qu'elle fout tout à côté en fait. Vu que ça, je crois qu'à la base c'est une éleveuse et que c'est pas du tout en flic. Très cher, c'est pour ça. Donc on va faire en sorte qu'elle soit pas douée du tout. Oh là, ah ouais, oh le. Oh là, t'as pas fait un trou là? Oh, ça va, c'est du. Bah ouais, mais quand même. C'est de la pierre. C'est de la pierre, ça va. Bah ça fume un peu maintenant. J'ai d'autres avec quoi je suis très bon. Moi c'est tout à peu près hein. Et encore un corps et tout. Moi c'est bien grappinier. Attends, très bien grappinier. Bon. Et encore un corps, vous êtes bon? En quoi? Encore un corps. Non, pas très fort. C'est bien esquivé. Hop. Ouais.
très vite, très vite. Moi. C'est bien l'esquivage, ça sert toujours. Comme il y a plus de pièces. Comme il y a plus de pièces, il y a double. On n'est pas par là, on est de l'autre côté. On vous entend. Oh, c'est joli ici. Vas-y, donc, mon dieu, tu t'embêtes pas. Joli. Oui, tant mieux. Petit bonhomme en rouge qui cherche. Qui ça? Il a dit qu'il avait des informations par rapport à Joe. Ah oui. Il voulait voir toi et Michel. Ah, oh, mais c'est parfait. Bah, tu vois, là, on va rentrer dans la police. Ça sera peut-être notre première enquête, hein, du coup. Ouais. Ah, c'est bien, mais faut aller le voir, je crois. Moi, je vois les informations. Ouais. On finit bah, attends, la réunion on finit nos tests et puis on arrive comme ça. Genre, voilà. La policière en dessous dans ma peau, tu vois, avec Kira. Et on va mener l'enquête immédiatement. Il y a rien. Galère et qui est tout à côté. On va voir si ça va passer ou pas. On va voir. C'est qui on va nous demander. Je passe un petit bonhomme en rouge. Il est toujours un gars. Il est bizarre, mais il est marrant. Oui, d'accord. Ah, Onga, il s'appelle. Ouais. C'est Onga. Ah, on va voir des nouvelles recrues. Onga. Ouais, Onga. Mais vous, vous connaissez très bien. Bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir. Gens, elle est forte aussi, hein. Ouais. Ah oui. Mais c'est vrai que je suis pas de base, hein. On va pas se mentir, je suis pas trop une manuelle des mains. Une manuelle des mains, la grosse cote. Mais je peux me débrouiller quand même. Ouais, une manuelle des pieds, c'est un peu plus difficile. Ah ouais, mais tu sais déjà être une manuelle des mains, c'est déjà quelque chose. Ah ouais, c'est craqué. Non, mais je pourrais bien aider pour les enquêtes. Ok, parce que je vous pratique une femme qui sait écrire correctement. Parce que les hommes là qui me font les rapports. Aïe. Ah bon? J'ai dû. Bah oui, c'est catastrophe. Quand je dois les recopier sur l'ordinateur, j'arrive même pas à les relire. Ah oui, effectivement, oui, c'est problématique là. Ah ouais, ah bah non, mais j'ai une bonne écriture. Elle a une bonne écriture. Ah parfait, donc monsieur Guy, il est bon en combat, en esquive, en bolas et en endormissage. Attends, les gens. Si je passe alors en endormissagement. Ah oui, c'est voilà, vrai que tu sais bien endormir. C'est vrai que ça, tu sais bien endormir. Ouais, okay, ouais. Donc si je vous prendrais, vous ferez un duo, ça vous irait? Un duo? Ah ouais, carrément. Ah ouais, tout à fait, hein, très complémentaire. Pas parfait. Dupont et Dupont. Ah ouais, tout à fait. Dupont. Ouais, on avait un Dupont et Dupont à l'époque. Moi qui bégaye ou c'est lui? Non, c'est le monsieur. Salut. Ah ouais. Ah non, on n'est pas pareil que nous, on est bien, on est droiture. Ah ouais, très très droit. Bon, l'injustice. Faut respecter les règles. Ok, parfait. Ok, nickel alors. Pas des escrocs, hein? Il n'y a pas des escrocs, il n'y a pas des manquants. Jamais. C'est pas bien. J'aime l'argent, je sais. Ah ouais. Mais donc un petit peu, donc les, voilà, un tout petit peu. Donc les amendes, tu les doubles pas pour toi, hein? Voyons, pourquoi je ferais ça? Bah, je te connais, monsieur. On va faire sa piscine. On va faire sa piscine énorme. Comme ça. Oui, ah, je t'ai déjà escroqué, toi. Bah non, jamais. La fois dernière, je lui ai mis un petit saut de pièce comme ça. Et bah, il a tenu 10 secondes sans les toucher. Ouais. Ouh, c'est un record, ça. Bah, bien sûr, hein, tout à fait. Nickel. Bon, bah, ok pour moi. Donc, je vous prends en cadet. Dans une semaine, et si tout se passe bien, bah je vous grade en sergent. Ah bah tu vois, on va faire une équipe d'enfer. Attends. D'enfer, on a de la patate. Ouais. Du coup, maintenant qu'on est policier, on peut s'installer là. Voyons, c'est bien. T'as vu? J'ai pris le pli. Ouais. Alors ouais. Vas-y, je. Ouais, je t'as bien dire ça, j'ai pris le pli, et tout. Ah, je prends souvent, ouais. J'aime bien. Yogi, salut. T'as bien dormi? Ouais, coucou. Ouais, regarde, je suis policier. C'est trop classe. Ouais. Oh, oui, il y a le monsieur qui sait où est Joe, visiblement il a un message à dire à Fernando, Yogi et moi. Oui, on arrive en fait. C'est rôle, t'as envoyé. Je vais aller avec moi, Yubior, et c'est Kira. C'est Yogi. T'es qui toi? Bonjour. Ah, Onga. Toi, être Onga. Onga, être grand guerrier. Oh, être empailleur derrière. Toi, être tricheur, Onga. On me rappelait de toi. Je suis pas un tricheur. Mais vous mettez une amende, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'armure en méthane sur vous ici. Toi, mettre amende, quoi être amende, Onga? Tu dois me donner de l'argent. Pourquoi m'en donner l'argent à toi, Onga? Parce que t'as pas le droit d'avoir ça ici, hein. Tout ton armure en même temps. Il a des informations sur Joe. C'est vrai? Moi vouloir amende, oui, moi. Il veut nous parler depuis tout à l'heure. C'est être belle. Ça sera pour les amendes, tu lui donnes des noisettes, on s'en fout, putain. Attendez, on va faire un truc. Kira, tiens, on va t'en prendre en mission, tu veux bien nous dire un peu tout ce qu'il y a, là, te mettre là-bas et tout nous dire. Allez, c'est parti. Mes amis, je ne sais pas si vous avez reçu ma précédente lettre, mais sachez que je suis toujours en vie. Je ne peux vous expliquer tout ce qui m'est arrivé, mais sachez que je me trouve avec les gens qui m'ont sauvé et on souffre d'une maladie inconnue. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je sais que Mamou connaissait à l'époque le remède qu'elle nous donnait. À mes frères et moi, quand nous étions malades, ce remède nous guérissait en toutes circonstances. Pouvez-vous la trouver pour moi et donner ce remède à mon ami Onga, qui apparemment n'a pas été contaminé. Sachez que vous avez été ma plus grande fierté et que je ne vous oublierai jamais quoi qu'il arrive. Joe Alton.
Tu lui donnais quoi à becter à tes gosses? Onga, tu sais où il est Joe, c'est ça? C'était une petite potion. Oui, lui être très loin, oui. Onga. Spéciale maison. Il est où? Il est où, Gouga? Un pyramide. Il devait être ou ami à moi être. Parce que moi avoir trouvé lui. Lui être sur plage. T'en as? Et lui être endormi. Tu nous aussi, Onga. Tu nous montres sur la carte aussi. Pour avoir réveillé lui. Moi, ami à moi, Captain avoir dit que moi pas être malade parce que moi jamais me laver. Alors moi jamais malade, parce que moi toujours avoir plein de mouches avec moi. Moi pas tout comprendre. Ah oui, il se fout tes mouches, Jack, je vois tu pas pourrais y aller, tu serais pas malade toi non plus du coup. Il va me faire flipper ce con, vous voulez pas qu'on lui fasse faire des petits tests, ça se trouve il est porteur de maladie hein. Non, non, t'es, wow. T'inquiète pas. T'es sûr? J'ai pas avoir été malade de ma vie, on garde. Moi j'ai peur d'être malade maintenant, j'ai l'impression d'avoir mais mal au téton là. Pas, oh là là. C'est bon. Mais comment ça je me lave pas, tu veux ressentir mon haleine? Ouais, oh, sans mon haleine. C'est toi qui pue, gros lardon. Bon, du coup, en premier lieu, faut qu'ils en faire le remède, d'ailleurs, si je comprends bien. Mais c'est un mamie Raton qui se fait un remède. Ah, ouais, c'est ça. Oui, mais j'ai besoin d'être pour les ingrédients. Voyons, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai plus rien. Il me faut tout ce qu'il y a de plus basique. Du citron, du maïs, des patates, des carottes. J'aime il me faut j'en aussi plein. De la viande séchée. Oh merde! Il faut aussi des petites steamberries! J'en ai! Après des petites serres d'argent à vis parce que. Ça aide! C'est bon pour le tonus! Tu crois que je dois en avoir dans un des loups? Il doit falloir aussi des petites dents de mégalodon! Ça va falloir aller plus. Ça c'est bon! Ça donne plein y en a dans les baleines! De calcium! Il y en a plein dans les baleines! Allez! Qui Attendez. Fait quoi? Moi je vais chercher les fruits et les légumes. Il faut aussi encore le dernier ingrédient. Oui. C'est quoi? Comment c'est que tu du vas miel. Faire pour avoir un permis. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise le dernier ingrédient. Je m'attendais à ce qu'elle dise genre il faut tuer quelqu'un ou le bras de quelqu'un ou la gueule de quelqu'un. Qu'est-ce que font les petites abeilles? C'est bon, c'est sucré. Bon, mais c'est très rare ici. Ouais. Bah, dis-moi à trouver ça. Alors que tout trouver, moi, tout une espèce dans ce monde. Oui, il faut trouver ça. Vous voulez faire comment? On se met en plusieurs groupes ou on fait tout ensemble? Je pense ensemble. Que c'est la meilleure. Ouais. Pour être plus efficace, comme vous voulez. Il faut se mettre en plusieurs groupes. Le seul truc qui va manquer, en fait, c'est du miel parce que tous les autres ingrédients, on en a plein. Voyez, je partir. C'est parti. On se rejoint chez grand-mère. Il faut qu'on se retrouve assez vite aussi, ouais. C'est là, au milieu, regarde. Oui, on peut se retrouver chez moi. Et... quoi avoir là-bas, Onga? Bah y a des gens qui habitent là-bas, peut-être que pour ils ont peut-être du miel quelque part. L'île du milieu, en fait, avant ils étaient sur l'île du Nord, tu vois? Parce que l'île du Nord, elle était trop froide, il y avait un roi, et puis le roi il a dit, après il était mort, et après ils sont allés au milieu, et après ils ont dit, oh bah non, le roi il est pas mort. Puis après quand on est allé, ils ont dit, oh bah si, le roi il est mort. Tu vois? Alors nous on a été, hein, puis on a cherché, hein, puis on n'a pas trouvé le roi qui était mort ou qui était pas tant vivant, tu vois? Alors du coup on est rentré là, et puis là t'es arrivé. Ah, donc eux au milieu, être méchant ou être gentil? Bon, on sait pas trop. On sait pas justement, on va voir quand on va aller chercher le miel. Oh, vous inquiétez pas, moi leur faire danse de tchèque et c'est le roi il est méchant. Ouais. Le roi il est méchant, mais le roi on sait pas s'il est là ou s'il n'est pas là. Si lui être méchant, et si vous me rendez service, moi pouvoir capturer roi, hein, pour lui faire tchétcher. Moi je suis pas un capture rien. Comme ça. Moi avec ça, regarde, c'est juste qu'à l'annoncer comme ça. Hop, et puis c'est bon. Hop. Onga. Mais non, ça encore être trop triché ça. Oh. Ah moi je commence à coller de mon collègue, hein, donc moi je recule. Hein. Devoir enlever le pantalon. Il récupère ce que vous voulez. Allez, enlève ton pantalon. Ça être tchétché consentant. Ah, moi pas être très cool. Je sais pas être très habitué, mais bon. Ça marchait aussi. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, je regarde. Et bien voilà, moi je vais vous montrer. Respire un coup, hein, au cas où, monsieur. Oh, ouais, oh, tchétché. Oh là 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 là. Oh, gars, t'as envie de venir ici. Oh là là là. Il est servi. Oh, c'est pas cool, tiens, chichi. Moi, j'aime pas trop, hein. Ah ouais, fait mal, ça, quand même. Pensez que t'as une moitié chichi, c'est de faire des chatouilles, de faire un goyon. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que moi, pas avoir fait tchétché. Oh, ça fait de nombreuses lunes. Ah, ça fait du bien. Vous allez bien, monsieur?
Ah bah ça lui a coupé la chic. Pourquoi hein. C'est vous? Eh oh, tout de suite. Ah dis donc, je sais pas moi c'est du front du galon qu'il faut que tu commences à taper les gens. Bah oui. Ça c'est une femme hein. On ne donne que très la lui pas être à la bonne place. Mon frère s'appelle Serge. On va pas pouvoir le récupérer. Bon, tant pis. Oui, il s'appelle Serge. Il était commandant de la police. Il m'a envoyé un message il y a quelques semaines. Un commandant du russe. Oui, c'est mon petit frère, en effet. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes le monsieur qu'on a rencontré dans la grotte. Ah, vous étiez vous aussi. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous croiser de l'ouvert ici. Je sais pas, on s'est réveillé il y a pas longtemps. Il s'est passé énormément de choses, alors... On allait voir les gens du sud là, enfin du nord, du milieu maintenant. Avoir des gens là-bas, mon gars. Très bien, je vais vous suivre. Pouvez-vous poser ces questions pour moi, s'il vous plaît? Oui. J'essaye de pas trop me faire remarquer, je suis quelqu'un de très discret, je n'aime pas trop discuter. Voyons. Oh, mon gars. Déjà? Bonjour. Comment ça va? Il y a du monde ici. Ça va, ça va. Bonjour, mon gars. Oh, lui, avoir beau chapeau, mon gars. Que venez-vous faire, messieurs et mesdames? On vient voir si par exemple vous n'auriez pas du miel à vendre. Du miel? Ça je sais pas, mais oui, il va falloir se renseigner auprès des concitoyens. On vous suit. Vous êtes qui, monsieur? On va vouloir du miel. Moi je me présente, je suis Ferrol, je suis l'intendant de la reine. La reine? Oui, c'est quoi être ça, intendant, mon gars? Je sais pas. Vous savez-vous où est le roi? Je m'occupe de la reine en tant qu'intendant, en fait. Ah, vous êtes son copain, quoi? Bon, on peut dire ça comme ça. Mais... Monsieur le président. Vous faites des câlins ou des trucs comme ça? Non, pas copain dans ce sens-là. Ah, non. Mon frère, il est décédé. Toutes mes condoléances. Et comment ça, il est décédé, monsieur? C'est une blague, vous foutez de ma gueule. Et vous me dites ça sur ce ton? Comme si vous en aviez rien à foutre, c'est bien ça? Non, je vous avais même dit mes condoléances, j'en ai pas rien à foutre. Non, vous en avez rien à foutre, ça se voit. Faudra vous renseigner, vous vous foutez de ma gueule, vous m'annoncez le décès de mon frère que je recherche depuis des semaines. De cette manière, il me tourne le dos, le bourre. Très bien, monsieur, continuez. Lui chercher son frère, toi pouvoir aider lui quand même. Non, mon frère avait bien raison. Je comprends, c'est bon, je sais bien où je me... Veuillez m'excuser, messieurs, mesdames, mais je travaille, je dois vous laisser. Et le roi, il est pas bien? Non, il dort. Peut-être on en a pas. Il dort? Où ça, non? Mais je croyais qu'il était mort. Ah non, non, il est pas mort. Bah, apparemment, il s'était suicidé. Oui, mais non. Comment ça, oui, mais non? Bah, ouais. Bah on a déjà répondu, mais je comprends pas, vous venez d'où? Parce que vous avez pas été informé ou... Oui, du sud. Un agent de la police de la République indépendante populaire en République. Ah bah normalement, la République a été mise... Alors, nous, quand on nous a dit, parce que ça fait 5-6 jours qu'on vient de se réveiller, on s'est réveillé hier, ils nous ont dit, la guerre est finie, le roi il s'est suicidé, il est mort. Mais en fait il est pas mort, Alors on sait pas trop. Est-ce qu'il est mort ou il est pas mort? Non, il est pas mort. Il est où? Très bien. Dans le château, normalement. On ouvre la porte du château, comme ça on récupère le roi en même temps. Faut qu'on le juge. C'est possible, il faut déjà que j'en parle au conseiller, mais oui. Faites le maintenant. Vous pourriez au moins descendre de votre cheval quand vous nous parlez, monsieur. J'ai l'impression que vous nous parlez de haut. Et il ne peut pas non plus. Enfin, l'intendant ne peut tout de même pas, quand même, juste ouvrir le. Juste ouvrir et vous laisser récupérer le roi tant qu'il est endormi en plus de ça. Ça fait combien de jours qu'ils sont venus vous voir, la République? Il s'est pas encore réveillé, je crois. Non, je parle pas de ça, moi. Je peux pas, la République est venue vous voir quand, non? Deux, trois jours. Hier, je crois, par rapport au jugement du Dan, si je peux. Non, impossible hier. C'était pas hier, non. C'était pas hier? Ah, bah, il y a deux, trois jours. Alors, avant-hier, alors. Donc, il y a deux jours, ils sont venus vous voir. Vous demandez où était le roi, vous avez dit non, il est mort. Puis en fait, non, il n'était pas mort. Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit qu'il était dans le château, mais qu'on pouvait pas voir le château à ce moment-là. Oui. Et là, vous pouvez toujours ouvrir la porte? On peut toujours pas ouvrir la porte, non. Il y a que la reine et le roi qui. Ah, mais il y a un monsieur qui se propose pour ouvrir la porte. Et nous, on ouvre la porte nous-mêmes.
On attendez, excusez-nous, mais si jamais on vient et qu'on propose de faire exploser une porte parce qu'on souhaite récupérer quelqu'un, est-ce que vous allez le laisser faire comme ça, comme vous voulez? Vous voulez un incident diplomatique alors? Donc vous êtes en train de cacher une personne très dangereuse pour la population? Oui. Attendez, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous dites. Faire exploser une porte... Qu'est-ce qui se passe là? C'est... Ah bah... Écoutez, de toute façon, vous ne pouvez pas faire exploser la porte pour une simple et bonne raison, c'est que si vous faites exploser la porte, vous faites exploser le roi, la reine et tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Non, pas forcément. Non. Pourquoi la reine n'est pas réveillée, là? Non, elle n'est pas réveillée, non. Non, elle n'est pas réveillée, non. Ah bah voilà, ça règle tout. Mais non, on fait un petit trou par le toit, et nous on récupère le roi. Oui, et alors... Le roi est recherché activement. Pour tous ces crimes contre l'humanité qu'il a fait. Il a assassiné énormément de gens. Ah mais je suis d'accord. Le roi a peut-être des choses à se reprocher, je suis tout à fait d'accord, mais vous n'avez aucune prérogative à agir sur les terres. En plus, il a tué le commandant. Ça c'est votre terre. Vous dites que c'est vos terres, mais la République indépendante populaire a autorité sur toutes les terres de tout partout. Ah bon? Ah ça c'est vous qui le dites. Bah ouais, dans ça, ce cas-là, on peut tourner en rond très longtemps. Oui, mais bah non, c'est que ça tourne pas en très longtemps, ça fait un incident diplomatique et forcément on retourne sur une guerre. Est-ce que vous voulez refaire la guerre? Tant que les choses ne peuvent pas être réglées, tant que la reine n'est pas là. Est-ce qu'un émissaire de... diplomatique est venu nous en parler de tout ça? Que vous possédez ces terres-là? Non? Attendez, monsieur, juste pour savoir, ça va se passer demain. Est-ce que vous payez des taxes? Non. Vous avez prérogatives sur toutes les terres? Donc vous êtes agent de police sur toutes les terres, c'est bien cela? Bien sûr. Non. Ah bah c'est parfait, il y a des pirates qui traînent. Messieurs, on attend plus que vous pour s'occuper des pirates. Nous ne sommes donc pas attaqués, on est bien. Et nous on attend de vous que vous ouvrez la porte. Nous on attend le roi. Prendre le roi. Ah bah, comme j'ai dit, nous on peut donc pas vous l'ouvrir. Si vous allez nous ouvrir immédiatement la porte pour récupérer le roi. Je vais vous le prouver tout de suite, comme ça on sera tranquille. Et voilà, moi pour ma part... C'est l'intendant, un intendant ça a forcément une intendation. Oui, mais j'ai pas l'autorisation d'ouvrir la porte sans les autres membres du conseil. Tiens, mais vous allez nous ouvrir la porte. Oui. Et même s'il pouvait ouvrir la grande porte, il n'a pas accès aux appartements du roi et de la reine. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est comme on a dit, vous allez pas faire exploser une porte, et là, ce sera une petite porte parce qu'on a vu l'intérieur, avec le roi et la reine derrière. Sinon, vous allez peut-être. Montrez-nous cette porte, ouvrez-nous la porte. Et puis, dans le cas où vous feriez sauter la reine, là, nous, comment on peut savoir qui serait de votre côté, c'est vous qui feriez la guerre. Montrez-leur, vous allez voir. Pas forcément. Voilà, regardez. Ah, bah si, si vous faites sauter. Non, puisque la reine est tactiquement recherchée, donc c'est quand même la femme du roi qui a rien fait pour empêcher le roi à faire ses bêtises. Bah non, le monsieur, il faut bien le sauter. La reine n'avait pas toujours son mot à dire. Voilà, vous allez nous ouvrir la porte de la chambre du roi, s'il vous plaît. Mais ça, ce n'est pas possible. Allez, monsieur. C'est cette porte qui est bloquée. Mais personne n'a accès. Vous n'avez pas l'autorisation, comme ça, vous n'avez pas l'autorisation. Si, on vous donne l'autorisation. Messieurs, vos collègues, lors du jugement du Don, sont passés. Ceci a été vérifié. Il n'est pas possible d'ouvrir cette porte. Pour vous dire, l'intendant, le même soir, a essayé de faire exploser tout. On apparemment, a été forcé de l'arrêter pour qu'il évite de s'ouvrir. Non. Autorisez-vous à ouvrir la porte. L'intendant disait... Là, je peux pas ouvrir la porte, j'ai pas les clés. Et comme par hasard, là, il ouvre la porte. Oui. Bon. Alors, vous tout le monde peut intérieur. Donc, comme c'est pas une porte pour des jambons, vous allez immédiatement nous ouvrir la porte de l'appartement du roi. Allez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Cette porte-là, on peut l'ouvrir juste pour avoir accès aux escargots qui sont ici. Bah, pourquoi vous dites que vous pouvez pas ouvrir cette porte là, depuis tout à l'heure? Non, celle-là, on peut l'ouvrir, c'est cette porte-là qu'on ne peut pas ouvrir. Non, il nous a bien dit qu'il pouvait pas ouvrir cette porte-là. Messieurs, autorisez-vous à ouvrir cette porte. Je veux bien que vous ne puissiez pas, mais m'autorisez-vous à faire ouvrir la porte. Oui. Je peux l'ouvrir. Étant donné que notre reine est juste derrière la porte, non. Vous allez pas faire exploser une porte alors que la reine est derrière. Donc en fait, vous ne souhaitez pas les juger, mais les abattre. Non, pas du tout, on va dire. Bah, si vous ouvrez pas la porte, dans mon courant, on est obligé d'affaire plus de 4. On cogne dessus et puis on récupère. Proposer un jugement. Imaginons que. C'est tout à fait possible. Mais proposer de les abattre. On essaie, depuis tout à l'heure, on essaie de négocier avec vous, messieurs. Mais imaginons, pas la porte, on inverse les rôles. La porte. Vous voulez pas qu'il se coupe la parole? Moi, je ne fais que répondre. Monsieur, policier d'ici, apparemment. Il n'y a pas un verso aucune personne qui a fait un crime contre l'humanité. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais imaginons que les rôles sont inversés. Qu'on recherche quelqu'un chez vous. On arrive, on sait qu'il est derrière une porte, on vous propose de faire péter la porte en sachant qu'on risque de le faire sauter avec. Vous réagissez comment, vous?
Ah bah on vous autorise, hein, si il est vraiment si c'est un criminel très recherché, on vous autorise à faire. Et si c'est quelqu'un qui mais là, après, notre peuple, on va pas faire péter la porte, on va juste la faire. Regardez, si vous voulez, on va la taper. Je pèle Saint-Trou ici. J'ai une pelle 16 sur moi, je peux pèle Saint-Trou ici. Ah mais je sais pas si ça donne sur la même pièce en fait. Oui, ça c'est un problème, on sait pas. Pelle 6 ici, du coup. Le problème exact, et ils sont dans cette chambre. Si. Mais où? Dans la chambre? Moi, personnellement, la personne qui saute, je ne sais pas. Si, l'intendant, si il sait très bien. L'intendant, il peut nous ouvrir la porte. Soit, c'est très bien. Si vous les tuez, vous souhaitez les juger. Si vous monsieur l'intendant, veuillez ouvrir la porte. Ça évitera des incidents. Là, il y a un problème. Vous avez déjà expliqué, c'est impossible. Moi, il me faut l'accord des autres conseillers. Non, vous allez nous ouvrir la porte. Je reviens. Sinon, c'est vous qu'on embarque. Ah, mais si vous voulez juger quelqu'un. Eh oh, monsieur, monsieur, vous êtes fou. Attention, ouais, cassez-vous, ouais, arrêtez. Bon, voilà. Onga, quoi faire lui? Non mais... Onga, oh, qu'est-ce que vous faites, monsieur, non? Eh mais, vous voulez ouvrir la porte. Oh là là, c'est quoi ça? Non, mais laissez faire péter. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Eh, laissez-moi rentrer. C'est ça votre démocratie? Il est pas du sud, hein, ce monsieur. Attendez, c'est ça votre démocratie? Voilà, il a pas les monsieur. C'est ça votre démocratie? Ce monsieur, je vous dis depuis tout à l'heure, il est pas du sud, ce monsieur. Calmez vos animaux, sinon il les abat, monsieur. Et alors, j'en sais rien, moi, il est pas avec nous. Je ne les connais pas. Attendez, je suis quelqu'un qui a des affaires internes. Laissez-moi rentrer. Mais oui, là, moi, je veux sortir. Voilà, ils sont calmes. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a pété. Ouais, c'est Damakaya qui va s'occuper de tout ça. Oh. Non, c'est là. Le roi. Le soir. C'est notre la reine. Il est le roi. Ça, c'est une bonne question. Si on le savait, on vous le dirait. On vient chercher le roi. Oui, la reine est en train de. Ah, bah, il n'y a pas de roi. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais le roi n'est pas là, il n'y a que la reine. On vient de nous dire qu'il était là. Personnellement, la seule pièce dans laquelle je suis venu, c'est ici. Normalement, très peu de gens ont accès à cette pièce. Comme l'intendant, je suppose. L'intendant a accès à cette pièce. Non, je crois même pas. L'autre fois, il a voulu ouvrir la porte, il a eu besoin de moi pour pouvoir l'ouvrir. Donc non, je crois qu'il avait pas accès. On a besoin de vous pour ouvrir les autres pièces pour qu'on puisse trouver le roi. D'accord, bah écoutez, je ne sais pas où est le roi, donc je vais voir. Je vais vous ouvrir les autres pièces. Je ne sais pas. C'est gentil, hein. Là, il y a une armoire, ok. Et si elle est dedans, c'est une armoire qui est vide. Donc là, vous voyez, allez-y. Ah mince, elle se referme. Regardez si vous avez le temps, parce que si je m'en vais, elle se ferme. Faut qu'on discute après. Voilà. Je pense pas qu'il se cache une armoire, du roi. Bah, personnellement, je suis venu une seule fois dans cette pièce hier et le roi n'était pas là. Et personnellement, je n'ai pas vu de roi depuis pas mal de temps dans ce royaume, si je puis dire. Par contre, faire péter des portes comme ça, vous avez fait peur aux villageois quand même, hein. Faudrait faire attention. Ah mais c'est pas... Excusez-moi madame, mes manières ne sont pas très orthodoxes. Alors oui, il faudrait faire attention, parce que vous auriez pu blesser quelques personnes, ça aurait été un peu fâcheux. Il cherche le roi aussi, arrivé. Parce qu'apparemment le roi aurait tué son frère. Il cherche le commandant et le roi aussi, lui. Moi je vais chercher commandant. Quel commandant? On m'a dit que le commandant, mon frère, avait été abattu par le roi. Serge le Rustre. Ah oui, effectivement, oui, Serge le Rustre n'est plus de ce monde. Malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre. Monsieur Serge le Rustre a été exécuté, oui, par le roi. Je suis quand même très... Bon, on va continuer à fouiller, hein. Vous pouvez nous ouvrir. Oui, alors vous avez cette porte là qui est ouverte, normalement. Bon, bah, de toute façon, vous voyez, après, je sais pas quelle autre porte il y a, je connais même pas le château, j'ai même pas visité à vrai dire. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah là, il y a une tour. Après, il n'y a plus que des tours. Je voulais vous inviter à ce que nous puissions discuter, vous, vos dirigeants et moi, ainsi que monsieur Dalfos et mon assistante, pour pouvoir poser un petit peu les fondations de notre futur, de nos deux peuples, quoi. Oui, tout à fait. Bon, d'après ce que je comprends, vous êtes des ressortissants du Royaume du Nord, c'est ça? Qui est éteint en ce moment. Alors, le royaume du Nord, à proprement parler, il reste très peu de monde, mais il n'est plus au Nord que vous connaissez. Le Nord que vous avez pu connaître, si vous l'avez connu, a été rasé. Il n'y a plus rien là-bas. Il reste quelques personnes au royaume du Nord, il me semble. Il doit rester deux ou trois personnes qui portent ce nom. Moins d'une dizaine, en tout cas. C'est pas un royaume. Moins d'une dizaine, et ils sont un petit peu éparpillés partout, mais beaucoup de monde nous a rejoints. Très bien. Parce qu'on donc, préfère si je comprends vivre... bien, vous vous êtes approprié ces terres, c'est ça?
En fait, on a voulu, la reine a voulu se mettre ici pour montrer que nous étions neutres, que nous étions ni du nord ni du sud, pour faire des choses pacifistes, pour que tout le monde se rende bien compte que le roi étant mort, il n'y a plus de royaume du nord, il n'y a que une unité. Apparemment, il n'est pas mort, le roi. Former une unité. Ah bah, personnellement, moi, c'est ce qu'on m'a dit maintenant. Je sais pas, c'est ce qu'on... L'intendant, il nous a dit que non. Oui, oui. Ah bon ? Ah bah, je suis pas au courant de tout, là, ça... Ah bah, ouais, bah sais, voilà. Qu'il était là-dedans, j'en sais pas plus. Ah bah, je le savais même pas, bah bravo. Bah écoutez, donc, j'ai malheureusement le roi pas plus d'informations que ça. Mort, en fait pas mort, et était ici, sur vos terres, si je comprends bien. Et encore, sachez que c'est pas vos terres, hein. C'est tout... toutes les terres qui sont même du nord, du milieu, du sud, c'est la République indépendante populaire. C'est neutre normalement. Ah oui, le monde appartient quand même à tout le monde. Non, pas depuis que le nord s'est effondré sur lui-même. Ah bon, et vous avez revendiqué les terres du centre et ainsi du nord. Bien sûr. Bah tant qu'il n'y a plus de dirigeants pour le nord, bah... Bah si, il reste quand même un dirigeant au nord, il me semble. Écoutez, qui c'est qui a récupéré la tête du royaume du nord ? Après, écoutez, maintenant, diplomatiquement, on peut voir avec vous, justement, parce que ça, tout ça, vous nous avez fait sans que personne ne sache. Sachez-le. Au moins, il y a de la République indépendante populaire. Hein. Donc, bah, on allait venir par contre, on peut trouver un accord. On peut trouver un accord pour que vous ayez ces terres-là, hein, avec vos lois, vos règles, etc. Mais tout ça, il faut en parler à la République indépendante populaire. On comptait venir vous voir demain, justement, voilà, le temps que, voilà, de... On voulait venir vous voir avant et il y a eu énormément de choses et du coup on n'a pas pu. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous avouer que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Là même nous on a dû faire une réunion en urgence parce que c'était pas facile pour tout le monde. Ça roule, ça roule. Demain ça risque de pas être possible parce que là on est en train de refonder notre gouvernement. Très bien. La semaine prochaine, moi je viendrai du coup en tant qu'émissaire entre guillemets parce que je fais partie de la police de la République indépendante populaire. Bien sûr. Très bien. Et je viendrai vous voir pour vous fixer un rendez-vous avec vos dirigeants et les nôtres pour tenir un accord pour déjà qu'il n'y ait pas de guerre. Hein. C'est important. Ah oui, bah tout à fait. La guerre est finie, on ne veut pas la guerre. Oui. C'est ce dont on ne cherche pas la bagarre. Exactement. Hein. Voilà. Ce qu'on veut déjà, je pense qu'ils vont vous le dire, hein, les dirigeants, c'est les peines de mort et tout ça, vous oubliez. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les guerres, c'est des morts comme ça, des morts abusives. Ouais, ouais, ouais. C'est important, parce que votre ancien roi là, hein, de Pacotille, s'il peut me permettre, mais je me permets, hein, le roi de Pacotille de merde, hein, qui a tué plein de gens, il est recherché activement, hein, sachez-le. Car apparemment, j'ai l'impression que votre intendant, il sait beaucoup plus de choses que vous ne le savez. Hein. C'est fortement possible. Monsieur nous dit qu'il est mort, et qu'en fait il est pas mort, et qu'en fait il est mort, et qu'en fait il est pas mort. Hein. Donc, peut-être qu'il a simulé une mort pour essayer de passer incognito. Je pense que c'est peut-être, ça aurait été peut-être plus judicieux pour lui, effectivement, vu tout ce qu'il avait fait. Ouais, mais vous qui êtes conseillère de ce royaume, hein, entre guillemets, hein, pour l'instant, oui. N'étiez même pas au courant que le roi n'était pas mort. Alors que lui, son intendant, était au courant. Comment ça se fait-il ? Peut-être que c'est pour sa propre sécurité, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour le roi, je ne sais absolument pas. Maintenant, sachez donc, ce monsieur a l'air de savoir beaucoup de choses que vous ne savez pas, en fait. Vous demandez à toute la population, tout le monde sait que le roi n'est... Mais voilà, c'est que je devais pas être là ce soir-là, comme d'habitude. Rien comprendre, m'en vouloir du miel. Oui. Et toi, c'est une histoire. Actuellement, nous recherchons du miel. Ah, du miel, malheureusement, on en a pas, non. Ouais, monsieur Bonaparte en cherche aussi, il en a pas. Non, pas... Oh putain, mais arrête. Ça va être très important de trouver du miel. Moi, on va besoin de des abeilles, mais... Moi, je comprends que vous servez plus de choses que... Vous ne pouvez pas être avec eux, on va faire paraître. Quoi, vos histoires, hein. On va se revoir, je pense, monsieur. C'est comment votre nom ? Ami à moi. Férol. Monsieur Vérol. Férol. Monsieur Férol. Férol. Férol comment ? Férol. Férol comment ? Rex. Férol Rex. C'est bien ça, c'est bien son nom, madame. Oui, c'est ça, c'est monsieur l'intendant. Tout le monde l'appelle monsieur l'intendant, en fait, mais oui, c'est monsieur... très bien. On vous convaincra certainement pour vous poser quelques questions, monsieur l'intendant. Ferrol Rex. Non, mais pas de soucis. Tenez-vous à notre disposition. Très bien. Bon, on va pas vous embêter un peu plus longtemps, sachez-nous. On n'est pas là pour créer des incidents ou quoi que ce soit. On venait chercher le roi. Ah oui, tiens, pendant que je vous tiens, sachez qu'il y a quelques jours, certains de vos hommes, apparemment, sont venus chercher le Don. Il y a eu des personnes qui se sont permis de pointer des armes sur les villageois d'ici.
de les attraper au grappin et de les traîner loin de leurs animaux et en plein milieu de la place du château. Que cela est un peu radical. Surtout qu'on ne veut pas faire la guerre, on ouvre la porte voilà, à Bernard de ces cartes. Est-ce que c'est pas radical de laisser votre roi exécuter des gens et crier Hourra, Hourra, on a eu le sud, on a eu le sud, etc. etc. Bah, forcément, c'est l'équilibre. C'est vrai que la police n'a rien à dire à nous. Non, mais t'aurais dit. On a formé un royaume de paix. Maintenant, on aimerait que tout le monde soit en paix sur cette terre. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte que ça arrive. Nous ne voulons pas nous montrer agressifs envers vous. Nous serons en paix quand on aura le roi. Eh ben, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hein, mais moi, j'étais même pas au courant. Donc, comme ça, c'est réglé. Hein. Eh ben, pour preuve de bonne foi, livrez-nous le roi quand la prochaine fois qu'on se reverra. Et là, on partira vraiment sur des très très belles bases, je pense. On va trouver du quoi miel. Non, mon cher. On va voir. Rien. Faire blabla, blabla. Bon, à votre place, j'interrogerai bien ce petit monsieur intendant. Il a l'air d'en savoir des choses. Oui, pas de soucis. Bon, bonjour, mes vous n'avez pas du miel? Bonjour, bien, madame Ralton. Non, bonjour. Malheureusement, on n'en a pas. Nous, on en cherche aussi. Ouais, très bien. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Écoutez, passez de bonnes soirées, messieurs. C'est compliqué pour le miel. Apparemment, personne n'en a. Ah non, personne n'en a. On va aller voir aller aux grands arbres là-bas dans le nord. Peut-être qu'il y en aura. Et nous, on a le miel. Voilà, du miel. Arrête, t'abîmes pas le mur. C'est pas chez toi ici, putain. Mais moi, vouloir du miel et eux, ils t'attendent. C'est assez compliqué ce soir. Faites attention, vous allez vous blesser. D'accord. On en cherche du miel et malheureusement on en a pas, ouais. On en a vraiment pas. Ouais, très bien. On va pas vous embêter plus longtemps, bon, du coup. Passez une bonne soirée, messieurs. Ouais, également. Merci. On aimerait bien, Michel, mais si on en a pas, on peut pas l'inventer non plus. On vous aurait. Comment ça on vous donné ou vendu, mais miel, on en a pas, on l'invente pas. Et il est parti, le monsieur le rustre. Oui, donc le frère de monsieur le rustre. Il est parti. Ouais, il avait l'air plus rapide. Ah mince, dommage. Toi, bonjour, je vais vous faire tchèque. Allez, au revoir, monsieur dame. Merci, non, je suis pas très intéressé. À très bientôt, monsieur. Fais gaffe, elle va te couper les couilles. Il n'y a pas de quoi, mon roi, dans ton royaume. Toi, j'ai arrêté ce genre de pratique. Il y a beaucoup de femelles. Ah, mais c'est bon, tu peux la courtiser. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Non, non, c'est pas possible. Moi, bien aimé faire tchèque. Ouais, ça. Oui, ça coupe. Ça coupe. Coupe. Hey. Viens, grand-mère. Attention. Non, je pense que. T'as trop de neurones qui téléchargent en ce moment, je pense. Sinon, pourquoi ce miel aussi? Pourquoi c'est si urgent? C'est pour sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est pas grave. Mince. C'est pas grave, vous savez pas trop ce que c'est, vous, parce que vous, vos malades, vous leur mettez des coups d'épée dans la tête. Je peux te dire que si, hein. Ah bah en tout cas, allez, on y va. De pratique, hein. Ouais, t'en parleras à ta reine. Allez, un monsieur dame. Passez une bonne soirée. Merci, bonsoir. Pardon ? Une grande porte pour qu'on puisse sortir. Et normalement, elle est ouverte, hein, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Elle a été déverrouillée, on a laissé les clés dessus. Ah, ça, Captain va mourir. Triste. Allez, pas on va encore, voir s'il n'y a pas du miel dans, pas, la, on va en trouver du dans miel. La grande arbre.